Je suis là parce que l'événement est important, les problématiques sont graves pour la population et pour la liberté de chacun. Donc je me bats surtout pour qu'on puisse nous écouter, nous laisser vivre comme on le pense sans nuire aux autres. Actuellement, on est oppressé, on est matraqué par des informations qui sont peut-être vraies, mais écoutez aussi les nôtres, ça c'est très important. Ce qui me soucie aussi le plus, c'est l'aspect social. Pour nous adultes, ça va, pour les enfants, ça m'inquiète, j'ai deux filles, donc voilà, je m'inquiète de ceci. Et puis, essayer d'entendre aussi ce que les autres ont à dire, je pense que c'est important. La joie, c'est de pouvoir se regarder dans les yeux, aussi avec un sourire, aussi s'embrasser, ne pas être dans l'ignorance et ne pas se méfier. C'est un peu toute cette chose qui est en train de disparaître, doucement mais sûrement, et c'est voilà mon inquiétude plus que le fait d'un vaccin qui n'est pas sûr du tout. Moi j'ai vu du monde, des gens qui sourient, des gens libres, des gens sympas et plein de gens justement à qui on peut serrer les mains, avec qui on peut faire des hugs, des câlins, des bisous. Donc moi dès qu'il y a des câlins et des bisous, moi je suis là. Et c'est l'occasion aussi de montrer à tous ceux qui ont peur, peut-être que ceux qui ne savent pas, qu'on peut être heureux en 2021, qu'on peut se toucher, qu'on peut être dans le contact, dans la joie, dans la fête, puis qu'en fait ça se passe. Et que ça se passe très très bien, et qu'on chope ni maladie, ni rien du tout. Et que c'est ça la résistance maintenant, c'est ça la résistance au 21e siècle, c'est juste être joyeux, être vivant. Et c'est quoi pour toi la joie, Chloé? La joie, c'est ce qu'on vit en ce moment, la joie c'est tout le temps en fait. Dès qu'on se rassemble, c'est la joie. Puisque ça a l'air de devenir interdit, plus c'est interdit, plus on a envie de... Meilleur c'est. Plus on a envie de l'exercer, de montrer et d'expérimenter que c'est possible d'être joyeux, même dans la répression, même avec des interdits, même avec de la ségrégation et un certificat qui nous discrimine en fait. Et qu'on peut quand même s'amuser et même encore plus. Donc rejoignez-nous. Merci Chloé. Merci à toi. Alors je suis là pour ce beau mouvement de solidarité entre êtres humains qui est basé sur faire une chaîne et marcher pour la paix et surtout l'amour. Avec ce qu'on est en train de traverser, je pense que c'est ô combien intéressant de se réunir dans l'action et surtout au-delà de nos pensées et de nos idées, mais d'agir ensemble. C'est ce qui va être très très intéressant pour la suite des événements. Pour moi, la joie, c'est vraiment quelque chose d'intérieur, c'est une énergie de vie, une énergie de vitalité qui se construit jour après jour et qui se transmet avec juste un simple sourire et dans la simplicité. Voilà. Super. Alors, je suis là parce que je voudrais manifester mon refus du certificat Covid, mon refus de la campagne vaccinale pour les enfants. J'estime que cette loi n'est pas sanitaire, mais politique, et qu'on a affaire à une thérapie génique expérimentale qu'on ne peut pas faire prendre le risque à des enfants de s'injecter ce genre de choses. Il faut se réveiller parce que vous ne serez pas joyeux avec un pass sanitaire, avec un certificat Covid toute votre vie. Qu'est-ce que c'est que la joie pour toi ? Qu'on vit maintenant, voilà. C'est ce qu'on voit partout dans le sourire des gens et puis dans le fait de se tenir la main, de croire en nous et puis d'avancer, voilà. Merci beaucoup. Ces hommes, ces femmes et ces enfants courageux, je les appelle les vaillants ou les maillons forts de cette chaîne humaine de solidarité mondiale pour le respect du libre arbitre de tous. Autant laisse-t-il le choix à chacun de décider pour lui-même et de disposer de son corps, ne serait-il donc pas juste et démocratique de leur offrir la réciprocité ?